Salut les pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir à la découverte des étoiles avec ce petit unboxing très rapide de ISS Vanguard, ce projet de chez Hawken Reams, un projet passé sur la plateforme GameFound en 2020 et dont la livraison des boîtes françaises arrive en ce moment, début 2024. Il fallait être patient. C'est un jeu, si vous l'avez pledgé, donc vous allez le recevoir s'il est pris en vague 1 en début 2024. Sinon, il va falloir attendre la vague 2 qui sera plutôt fin 24, début 25. Et si vous n'avez pas participé à la campagne, eh ben, rassurez-vous, vous pourrez toujours vous rattraper puisque la boîte de base et les extensions vont sortir localisées et distribuées par Asmodée au premier semestre 2024, donc tout bientôt dans toutes les boutiques ludiques de France. ISS Vanguard, c'est un jeu coopératif d'aventure, d'exploration, de découverte, de gestion de dés, narratif, donc bien sûr dans l'espace, dans notre vaisseau, l'ISS Vanguard, et puis on va donc justement gérer notre vaisseau avec un gros classeur, et puis gérer les phases d'exploration, qui elles vont se passer sur des planètes mystérieuses, et où il va se passer plein de choses. Alors là, c'est vraiment la boîte de base que j'ai pledgée, que j'ai reçue, quasiment 8 kg de matériel, donc il y a de quoi faire, c'est une bonne altère. C'est ce que vous allez retrouver en boutique, ou quasiment, parce que je ne crois pas qu'il y avait de stretch goals exclusifs, ou très peu. Et donc, les stretch goals sont déjà inclus dans la boîte pour ceux qui étaient dans la vague 1. Et donc, la vague 2, il y aura d'autres stretch goals qui n'étaient pas prévus, dont une campagne supplémentaire d'Eldiv Frontier, si je me souviens bien, qui sera sûrement disponible, elle, en extension payante, mais ici, en stretch goal. Et en add-on, enfin bon, pour la partie vague 2, qui arrivera à la française plutôt fin année 24, voire début 25. Donc, on a un peu de temps, on va se concentrer sur la découverte de la boîte de base, ISS Vanguard. C'est du gros matériel, c'est bien lourd, et elle est bien remplie. Alors, tac. Alors c'est une version boîte de base, donc sans figurines, hormis pour les membres d'équipage. Vous aviez sinon la possibilité de prendre des versions avec figurines pour toutes les rencontres d'extraterrestres, de vie extraterrestre, qui seront plutôt plus ou moins gentils. Moi, je les ai en version token, donc pas du tout en version figurine. C'était possible, hein, mais ça prend beaucoup trop de place. Donc voilà, on se retrouve avec plein de tokens qu'on va d'espèces qu'on va rencontrer, plus ou moins sympathiques. On fera le découvrir. Il y en a certaines qui se font déjà la malle. Voilà. Bon, en tout cas, c'est du gros carton. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas tant que ça. Hein. On a ici le livre de règles. Alors, livre de règles très grand, dans un format que je n'aime pas du tout, parce que c'est un format qui n'est pas transportable. Je préfère un format A4 que ces assez grands formats. Livre de règles. Donc, bon, il y a pas mal de choses écrites. Tout le matériel, beaucoup de cartes, des dés, quelques figurines, on va les voir. Beaucoup de cartes, le système de classeur, le système de pochette. Alors avant de commencer, il y a tout un rangement à faire de vos cartes avec des intercalaires. Donc ça c'est plutôt bien prévu, c'est bien voilà, pour trouver facilement vos cartes, mais il y a beaucoup de rangements à faire. Préparez votre classeur, voilà, il y a un petit peu de matériel. Et ensuite, pour pouvoir vous lancer, voilà, vous lancer ensuite dans la partie avec tout un système comme ils le font à chaque fois, qui est plutôt bien vu, un système de tutoriel. Donc vous allez pouvoir jouer une première partie pas à pas. On va vous dire ce qu'il faut faire pour découvrir le jeu avant vraiment de vous lancer au cœur de la campagne. Et puis vous avez un système aussi d'application qui vous permet de suivre, vous retrouvez les textes narratifs. Alors pour l'instant, elle est uniquement en anglais, mais c'est prévu qu'elle soit traduite en français, sauf la partie narrative, la partie des voix enregistrées. Mais en tout cas, les textes, eux, vont être traduits en français et mis dans l'application. Ce n'était pas le cas au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça va arriver rapidement. Parce que ça vous permet d'éviter de sortir un certain nombre de livres. Et donc, vous gagnez un peu de place. Et vous allez plus vite quand vous recherchez des paragraphes. Donc là, c'est toute la partie, en fait, tutoriel. Ils vous disent, voilà, pas à pas ce que vous faites. Faites telle action, faites telle chose pour découvrir les règles. Et puis après, vous allez avoir les règles ensuite plus classiques d'exploration. Bon, il y a pas mal de petites choses. Je pense qu'il y a pas mal de lectures. 50 pages de règles. Il y a quoi faire. On a aussi. Hop là. Et bien là, on a le classeur avec tout plein de choses à l'intérieur. On va découvrir le classeur. On va mettre la boîte de côté. Et on va regarder le classeur. Bon, il est un peu abîmé le classeur. Bon. Il a souffert dans le voyage. Alors. Bon, c'est un classeur, somme toute, assez classique.
On a ici, c'est le livre des. Allez, c'est le livre des planètes. Tac, on va les pousser. Dans le livre des planètes, ce sont les planètes qu'on va pouvoir explorer avec des parties qui sont fixes, si je peux dire, des parties là, qui vont être. On va mettre des cartes dessus, donc on ne sait pas ce qu'on va découvrir, même qu'on va y revenir. Donc il y a plein de planètes différentes. Donc voilà, différentes explorations à faire, différentes découvertes, des découvertes uniques à faire, voilà, etc. Donc il y a plein de choses. Bon, il va falloir explorer tous les mondes de l'espace. Donc ça va être en fait un de nos plateaux de jeu, c'est qu'on va faire les explorations planètes, on va être là-dessus, et qu'on va faire ensuite les gestions d'équipage, on va être vraiment dans la partie du classeur. On a ici une grande enveloppe qui est une enveloppe secrète, mais pas ouvrir, donc on va pas ouvrir, mais voilà, il y a des choses à découvrir. Mystère, mystère. Et alors justement, en parlant de classeur, là, il faut des pochettes, et ben les voilà. Des pochettes dans lesquelles on va pouvoir mettre en fait des cartes. Et quand vous mettez des cartes, vous voyez, des choses qui sont au-dessus, qui restent dessus, donc voilà, des mémorials, enfin, on va découvrir tout ça, mais voilà, il y a plein de... Je vois 37, là, je sais pas s'il y a 37 pages, mais en tout cas, 33. Voilà, donc il y a pas mal de... en attente. Voilà. Et donc tout ça, ça va venir en fait, ben, je vais venir l'accrocher là, comme ça, tac. Vous allez pouvoir mettre des cartes, vos objectifs au niveau de technologie, votre morale. Enfin, il y a vraiment plein de. C'est ce que je vous dis là, c'est cette partie de gestion de vaisseau qui moi m'a beaucoup attiré aussi, qui rend un jeu dans le jeu. Ouais, hop là, on va remettre ça comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait toute la partie, je vois, parce qu'il y a des petits trous dans le. Ici, ça va venir aussi se greffer et reprendre une partie sauvegardée. Bah, vous lisez tout simplement. Voilà, la passerelle, carte stellaire. Donc, vous avez un peu des. En fait, vous avez des règles, un des compléments de règles, j'ai l'impression. Les différentes parties du vaisseau, braquement, laboratoire de recherche, etc. Et bah, justement, là, on les retrouve en fait. Avec à chaque fois, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit y faire. Un peu comme un livre, et on suit à chaque fois bah, les. La phase de gestion de vaisseau est prenante, hein. C'est pas quelque chose que vous faites en quelques minutes. Donc il y a de quoi faire. Et, procédure de préparation de mission. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais scanner la planète où je vais aller? Quel atterrisseur je vais prendre? Quel équipage je vais emporter? Quel équipement, etc. etc. Mais vraiment, il y a plein de choses à faire. Donc il y a beaucoup de gestion. Quitter la planète, explorer la planète en essayant de ramener votre équipage vivant, en ramenant des briefings. Tac, on va les remettre. Qu'est-ce qu'on a là, debout? On a ISS Vanguard, un petit livret. Le prologue. Ça doit être une BD de mémoire. Ouais. C'est une mini BD en fait, qui sort un peu de prologue, de mise en appétit, de mise en bouche, de découverte de ce qui va se passer. Ils l'avaient déjà fait dans leur précédent projet, dans Nemesis, entre autres. On a ici l'atlas des systèmes. Et oui, parce que chaque système qu'on va rencontrer, bah, c'est à ces planètes, ces choses non identifiées, ces mystères, ces découvertes, qu'est-ce qu'on peut y faire, que pas y faire, voilà. Ah oui, c'est un vrai jeu d'enquête, un vrai jeu d'exploration. Avec des dessins toujours sublimes, très jolis dessins, des planètes qui changent l'une de l'autre, enfin bon. Un gros travail. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la partie... De toute façon, j'ai les fameux atterrisseurs, en fait. Ce sont ces petits vaisseaux qui vont permettre de quitter l'ISS Vanguard pour aller sur les planètes. Chaque atterrisseur a ses caractéristiques et donc va être utile dans certains cas et pas dans d'autres. Le Falchow Lag. Waygate. Le Space Ranger. On a quoi ici? Le Void Ranger. Le Pélican. Et le Dragonfly. Le dragon volant. Alors ça, ce sont les journaux de bord. C'est souvent ce que l'application peut remplacer. C'est en fait ça correspond. Voilà, c'est d'ailleurs écrit là. Vous pouvez remplir ce journal. Et sinon, on peut utiliser l'application à la place.
Et donc, en fait, voilà, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Et donc, c'est avec différentes entrées qui vous renvoient d'autres entrées. Enfin, bon, là, vous lisez les chapitres, vous faites des choix, vous cochez des cases. Hein. C'est donc, on va écrire dans le livre, d'où l'intérêt de l'application si vous ne voulez pas écrire dans votre livre. Sinon, il faut écrire au crayon de papier pour effacer. C'est très sobre, c'est papier blanc tout bête, bon, mais voilà. Hop là, et puis ici, je sais pas, une entrée qui vous renvoie, voilà, un mystérieux, des choses mystérieuses. Et pareil, un livret des opérations, même chose. Alors là, c'est vraiment du papier tout bête. Hein. Et pareil, vous allez écrire dedans ou prendre l'application. Moi, je vais plutôt prendre l'application. Et pour ça, j'espère qu'il y aura l'application en français très rapidement. Tout ça, c'est le classeur. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé dans le classeur. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a là? On a la partie. On a les plateaux, deux sections. Donc c'est du plusieurs épaisseurs, double épaisseur. Donc il y a une section reconnaissance, ingénierie, donc chacune avec ses caractéristiques, ses capacités, sécurité et science. Donc à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous développez, qu'est-ce que vous envoyez sur la planète. Bon. Et donc vous avez justement ces sections, avec deux personnages par section en fait. Bon, des très jolies figurines à peindre bien sûr. Donc si vous voulez les peindre, eh ben, je vous envoie mes figurines et puis vous avez le droit de me les peindre. Avec grand plaisir. Donc on a quoi? On a différentes personnages. En fait il y a deux personnages par section. Quatre sections, huit personnages. Donc ça, c'est la boîte de base. Hein. Sinon, après, voilà, c'est les seules figurines, si je peux dire, inclus. Ah, lui, il a un gros fusil. Voilà, ça, c'est bien la reconnaissance. Je ne sais pas si c'est la reconnaissance, mais en tout cas, il doit pouvoir être utile. J'aime beaucoup avec les socles, qui sont vivants, quoi. Maintenant, on fait vraiment de très, 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 très jolies choses. Bon, c'est pas un jeu de figurines non plus, hein, mais... Et puis là, on a, alors, je sais pas s'il sert, mais on a le... Notre vaisseau, l'ISS Vanguard. Alors, il y avait même aussi l'option de prendre les petites atterrisseurs en 3D. Je les aurais bien pris en 3D, mais il fallait prendre toutes les figurines, donc je ne le voulais pas. Mais là, on a l'ISS Vanguard. Avec, il y a de plus en plus d'éditeurs qui font ça, du plastique transparent, là, genre coloré. Plutôt pas sympa. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tous les dés. Hop là. C'est un jeu avec la gestion de dés, donc il y a beaucoup de dés. Plein de couleurs différentes. Chaque section a ses dés, ses poules de dés, avec bien sûr ses effets. Il va falloir utiliser ses dés pour réaliser des actions et on va en perdre parce qu'on va se fatiguer au fur et à mesure. Donc voilà. Ils ont l'air de bonne qualité, c'est du dégravé. Voilà, donc. Avec des symboles, voilà. Chaque dé a ses symboles, donc il y a des gros millions de symboles à faire. Et puis là, c'est des dangers, je pense, de mémoire. Bon, des dés, il faut aimer les dés. Tac. On va essayer de ranger les dés pour pas les perdre. Il y en a quand même un. J'ai pas le nombre en tête, mais il y en a un certain nombre. Et ensuite, il y a toutes les cartes. Alors, les cartes, il y en a beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert certaines cartes. J'ai ouvert certaines cartes pour gagner du temps, parce que sinon, à ouvrir, c'est toujours compliqué. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, voilà, on peut les sortir. Tout est modulable dans la boîte. Donc, voilà, ça permet de s'y retrouver plus simplement. Ici, vous avez un petit bloc-notes pour le nom des planètes que vous avez visitées, prendre des notes d'observation. Parce que si vous y retournez, là, ça vous permet de vous souvenir de ce que vous y avez trouvé, où aller, parce que les planètes, il va falloir les explorer plusieurs fois. Là, on a un petit, je sais pas, un scanner planétaire. Donc, on glisse des cartes à l'intérieur, on le voit, il y a une petite fente. Bon, il y a pas mal de cartes, là. Je ne vais pas trop vous spoiler, hein, mais cartes de mission, donc mission à faire, mission chasse au trésor. Voilà, objectif, au moins, avoir 3 découvertes sur le plateau atterrisseur. Voilà. Donc plein de missions. On a quoi là? Circonstances planétaires.
frais de recherche. Donc tout ça, ça va venir vraiment dans la carte d'équipement, qui vont améliorer vos personnages, qui vont pouvoir gérer mieux les dés. Et tout ça, ça va venir aussi dans votre comment ça s'appelle, dans votre classeur. Je vais vous en montrer là des cartes. C'est lourd parce qu'il y a beaucoup de cartes. Tiens, je vous ai ouvert celui-là. Alors, ce sont les points d'intérêt. C'est ce qu'on va mettre sur les plateaux de planètes. Voilà. Ils sont numérotés, donc ils sont classés. Voilà. Et donc, crête blanchue avec un peu ce qui s'y passe, ce que vous pouvez y faire, l'ascension, des dés utilisés, etc. Enfin, bon. Le sommet, champ d'ambidoïde. Et puis après, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup les dessins très variés. Ce qui vont vraiment nous mettre dans la... Alors je dis ça, mais là, ici, c'est le même. Qui vont nous mettre dans l'ambiance. Hein. On va essayer de la remettre dans le bon ordre, puisqu'elles sont numérotées, ça peut servir. Alors, en théorie, je pense qu'il y a des... Ah, là, c'est tous les personnages. On va regarder ça. Tiens, je ne l'ai pas ouvert celui-là, mais je vais vous l'ouvrir. Vous le méritez bien. En fait, il y a plein de personnages, donc il ne faut pas trop s'attacher à ces personnages. Il y en a qui vont mourir, donc voilà. André McVeigh, Millie Peters, Natalia Torres, chacun avec ses caractéristiques, chacun avec ses compétences, chacun, voilà. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous allez en trouver, en mourir, en faire progresser, enfin bon. Chacune dans les sections différentes. Là, c'est plutôt la section... Là, c'est les sections vertes, hein. On le voit bien, le dé là. On a la section bleue ici. On voit bien en haut à gauche. Voilà, là, on a un rouge qui s'est glissé. Et rouge. D'autres verts. Voilà. Il y en a plein, il y en a... Voilà, je sais pas, ils sont tous mélangés, mais il y en a plein, plein, plein. Tac. Il doit aussi avoir des intercalaires, il y a aussi des petites cartes qui vont... voilà, des cartes d'objectifs principaux, des cartes d'état. Il y a de quoi faire. Qu'est-ce qui reste? Ah si, il reste ça. C'est plutôt pas mal. Chaque section a sa petite boîte. Donc si vous jouez à plusieurs, et ben, tout simplement vous prenez chacun votre boîte. Donc celles-ci sont vides là, mais... Ok, on va pas mettre chance, on va mettre ses dés, on va mettre ses cartes. Et chacun a sa boîte. Hop là. Et avec ses cartes, des cartes d'action qui vous permettent de faire de certaines choses, de manipuler vos dés. Il n'y aura pas que de la chance, il y aura de la gestion de dés. J'aime beaucoup les illustrations, ce qui s'en dégage. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Donc il y a un petit peu de travail, je pense, avant de commencer la partie. Et il reste ceci que je ne vous ai pas montré. Et bien, ce sont nos vaisseaux, le Space Ranger, qui est notre vaisseau de base de mémoire. Le Pelican avec ses caractéristiques. Et si, par hasard, il est endommagé, il va falloir le réparer, il va falloir avoir de quoi le réparer. Sauf le Space Ranger, qui lui ne peut pas être abîmé. Vous avez forcément au moins un atterrisseur pour aller sur la planète. D'accord, dans l'ordre. Dragonfly, comme je vous le disais. Le Faustschlag, un peu allemand ça. Void Ranger. Waygate. Très important, les cartes d'aide de jeu. Ça, c'est très important pour ne pas se replonger dans les règles toutes les deux minutes. Les cartes d'aide de jeu et des dangers. Cartes d'aide de jeu de mode survie. Et puis voilà. Et puis ça, c'est pour toutes les cartes de rencontre que vous allez faire. Plus ou moins sympathiques. Plus ou moins accueillantes. Voilà, etc. Ophtalmoïde, Métaédron tutulaire, des noms très sympathiques. Hein. Gardien usurpateur, Gosier, voilà, tout simplement. Saboteur aérien. Bon, il y a plein de méchants. Voilà. Donc ça, c'est la découverte de ISS Vanguard, donc un jeu d'exploration dans l'espace chez Awaken.
et puis distribué, localisé par Asmodée en boutique dans quelques semaines, quelques mois si vous avez loupé la campagne Chemphone qui, je crois, au final a réuni plus de 40 000 backers avec en comptant le Pledge Manager, donc une grosse campagne qui était la première campagne de lancement de la plateforme Gainfund en 2020. Ça remonte il y a 4 ans et aujourd'hui elle s'est vraiment implantée comme une concurrente très forte, voire a dépassé Clearter dans certains domaines. Donc c'est un jeu auquel on va découvrir, on va jouer. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo de présentation tutoriel et puis on va retrouver ça sur le blog très prochainement si vous voulez un avis plus détaillé. Laissez-moi juste le temps de jouer un petit peu, de découvrir la campagne. Si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas. Sinon, nous, on se retrouve très, 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 très vite pour de nouvelles aventures et pour aller découvrir l'espace ensemble dans ISS Vanguard. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.